équipe du championnat actuellement. Après, c'est vrai que le premier but nous fait mal. À la 44e, 45e, on est à la mi-temps, on est emmené 1-0 alors qu'ils n'ont pas été forcément dangereux. Et nous, on a une ou deux occasions ou deux coups à jouer où on peut leur faire mal. Mais après, l'analyse du match est qu'on a joué une bonne équipe. Nous, c'est vrai qu'on est un ton en dessous de ce qu'on faisait au début de saison. Et voilà, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais je pense que ces équipes-là, comme Rennes, comme Paris, c'est un championnat pas à part, mais c'est des équipes quand même de très très haut niveau. Et c'est vrai que des équipes comme Troyes et Vian, l'équipe qui arrive de Brest, c'est plus notre championnat. Donc c'est là aussi, il faut qu'on soit. C'est sur ces matchs-là où il faut être performant. D'accord. Quels ont donc été les mots en direction des joueurs cette semaine? Est-ce que ça allait dans ce sens-là, justement? Est-ce que vous êtes revenu sur le match? Avez-vous parlé de points particuliers? Hubert est revenu dessus. Sommairement lundi matin, le mardi après-midi, pardon. Et voilà, maintenant on a basculé aussi sur le match de Brest parce que c'est pour moi un maintien se gagne à la maison. Et c'est vrai que là c'est un concurrent direct pour le maintien et ce match est très très important pour nous. Après le match de Lyon, il y a eu ce qui s'est passé, on n'a pas fait un grand match. Lyon, sont dans une bonne dynamique, on a souffert, on a perdu en prenant des buts évitables, on va dire. Donc il faut bien l'analyser, mais il ne faut surtout pas douter, surtout pas cogiter et se remettre au boulot parce qu'il n'y a que ça qui paye. Et avec un objectif et un seul, c'est la victoire samedi contre Brest. Le bloc, j'ai respecté, mais je ne pouvais pas faire plus. T'as pas plus de gens. T'as pas une douleur? Non. Donc c'est plus souple. Non. C'est plus souple. Peut-être un peu. Comment tu te sens? Bah moi je me sens à 100%. Coach m'a donné la confiance, il m'a remis dans les groupes tout de suite après. Après c'est moi de faire tout pour aider l'équipe parce que là ça fait un mois qu'on gagne par match. Et bah moi je vais donner tout pour qu'on commence à prendre des points. J'imagine que tu as dû être content contre Evian quand tu es rentré. En plus en début de deuxième mi-temps quoi, donc t'as joué pas mal finalement. Ouais j'ai joué 45 minutes, j'étais pas à 100% mais j'ai tout donné quand même pour aider l'équipe parce qu'on perdait 1-0, après on a pris le deuxième, ça nous a fait mal, après on a marqué un but, on voulait revenir en secours mais c'était dur. Alors comment ça s'est passé à Lyon, même, je parle pour toi personnellement, ça, comment tu t'es senti? Bah, ça a été compliqué quand même Lyon en face. Ouais c'était compliqué, on a fait que défendre, après dès qu'on récupère la balle on perd tout de suite, mais à Lyon c'était dur, franchement c'était dur, mais il faut remettre tout de suite pour les matchs de Brest, après à Lyon c'est passé, après il faut la semaine à venir, Brest, il faut attendre Brest. Brest justement, donc c'est un club que tu connais bien. Ouais. Là, je pense que tu connais encore pas mal le monde là-bas. Quel regard tu as sur le club? C'est un club qui grandit tranquillement, ça fait leur troisième année dans l'élite. Voilà, il y a une ferveur, il y a une histoire, un peu à l'anglaise on va dire. Et c'est vrai que leur parcours à domicile démontre la difficulté d'aller faire un résultat là-bas. Maintenant, à l'extérieur, c'est vrai qu'ils sont un peu plus en difficulté. Donc, à nous de faire perdurer leur série à l'extérieur, qui est pas top. Mais attention, ils sont dans une bonne dynamique. Ils commencent à retrouver certaines valeurs qu'ils avaient peut-être oubliées. Au niveau du jeu, c'est très cohérent. Donc, méfiance. D'accord. Alors, justement, quels sont les points forts et les points faibles de cette si équipe. On peut en parler, quel regard justement tu as là-dessus? Une équipe qui nous ressemble aussi et qui s'appuie sur un gros état d'esprit, un gros collectif. Et je pense que, comme nous, ils ont basé leurs valeurs là-dessus. Après, il y a des joueurs de qualité, notamment offensifs, ouais. Avec le Soignier, Ben Bassat,
des bons tireurs de coups de pied arrêtés, que ce soit Chafny, Grougy, voire Lipka, leur tchèque, mais une équipe qui n'a pas forcément de grosses individualités, mais un collectif qui est cohérent et fort. D'accord. Sur quoi peut se jouer ce type de rencontre? Bah, avant de parler d'eux, je pense que ça va dépendre de nous. Ça dépend vraiment de nous, de ce qu'on va y mettre. Parce que si on produit les prestations qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est des matchs qu'on peut gagner et qu'on doit gagner. Donc déjà basé sur un gros bloc équipe, beaucoup beaucoup d'engagement, de l'agressivité, de la bonne agressivité, notamment quand on n'a pas le ballon, mais aussi quand on a le ballon, vouloir faire mal à l'adversaire. Et après, s'appuyer sur nos fondamentaux. On a toujours créé du jeu à la maison, donc il ne faut pas perdre ça. Il faut toujours vouloir aller de l'avant, passer par les côtés, amener le ballon dans le but. Mais déjà, l'état d'esprit doit être au top. C'est des matchs qui se jouent à rien, qui se jouent dans l'engagement. Et voilà, donc il faut être prêt, il faut être armé, parce que eux, je pense qu'ils ne vont pas lâcher à ce niveau-là. Nous, on va faire tout pour prendre les 3 points. Après, on verra, mais Brest, c'est une bonne équipe, ils sont sur une bonne dynamique. Ils sont une bonne dynamique, en plus, ils sont, c'est une équipe costaud, ils défendent bien, ils tous ensemble et tout. Et on a presque les mêmes joueurs avec Brest. On joue presque de la même manière, mais on va faire tout pour prendre des points, en tout cas. D'accord, donc on attend un grand Odaïr samedi à Delone. Bah, c'est sûr, moi je vais donner à 100%. Je vais aider toute l'équipe. Il faut bien défendre d'abord pour ne pas prendre des buts. Après, on verra. On va avoir des occasions, ça c'est sûr.